Alors que le Festival de Cannes débute mercredi, les étudiants en master de multimédia à l'Université de Franche-Comté font eux aussi leur cinéma. Demain, ils présenteront leur projet d'études devant 200 personnes, 6 courts-métrages réalisés en 3D. Luc Reder, Jean-Pierre Belon. Vous savez pourquoi on est là? Pour manger des tacos et des fajitas. Il aura fallu 9 mois de travail à l'équipe Red Door Studio pour accoucher de ce film en 3D intitulé Ampoule Express ou la fabuleuse histoire du gang des ampoules dans l'Amérique des années 30. C'est 9 ampoules qui ont une mission. Donc cette mission est commandée par Papy Ampoule. Et donc en fait, leur but c'est de... Bon, ils ont vu y a un train au charbon qui pollue énormément. Et en sachant que notre thématique imposée par le corps enseignant c'est la mobilité et le développement durable. Donc on a cette mission est de remplacer ce train au charbon par une locomotive électrique. Et avant la soirée qui récompensera en grande pompe les meilleurs projets, il faut valider son travail devant un jury de 13 professionnels aguerris. Un jury qui prend en compte tout l'ensemble du projet, de l'écriture scénaristique à la réalisation d'affiches et de sites internet. Je trouve que d'une année à l'autre, la qualité de projet, la qualité professionnelle de projet augmente et j'espère que ça va continuer. Et avec son film Leaf, la bande d'Aurélien a plutôt bien réussi son passage. À partir du moment où on est passionné, je pense que ça vient tout seul. Quand c'est une passion, c'est facile et c'est même plaisant de parler de quelque chose qu'on a passé autant de temps à réaliser. Et là, disons qu'ils ont le cheminement global, ils ont les étapes, ils ont le déroulement global pour la réalisation des projets. Par contre, pour passer à un niveau professionnel, il faut encore beaucoup de travail sur ton image synthèse où le niveau actuellement est très 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 relevé. Donc là, il y a encore un peu de taf. Peut-être pas encore professionnel, la lutte risque pourtant d'être serrée après la montée des marches et le choix difficile pour le jury.